OK, avant la pause, il était question de sortir nos pages modèles, enfin, de créer une page modèle, ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Maintenant, donc, hormis après cela, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Clic droit sur page. Allons tous ensemble. Clic droit sur page, nouveau perso. Hein? Ouais. Je mets là. Bon, je mets là accueil. Là, maintenant, je viens sur au niveau du sous-dossier accueil. J'ai dit nouvelle page. Vous voyez, nouvelle page basée sur un modèle du projet. Oui. Maintenant, donc, le nom de la page, c'est oui, le modèle. La page modèle, non, il doit se baser là-dessus. Oui. Oui. Et vous prenez nouvelle page. Vous voyez maintenant, ça c'est maintenant ma nouvelle page. Oui. Accueil, accueil, accueil. Oui, maman. Pourquoi ça fait ça? On peut écrire un message dessus. Vous avez vu, je viens là, clic droit. Certainement, je peux écrire un message. Voyons voir si je peux écrire un message. Ah, message de bulle. C'est-à-dire quand je vais poser ma souris, je vais voir un info bulle. Donc, accueil par exemple. Accueil du Minirex. Hein? Façade. Façade avant du Minirex. Emblème. Moi, je peux encore ajouter mes images. J'ai quand même les images des joueuses. Si c'est ici, Essia Sport. Voilà. J'ai les images des joueuses. C'est toujours la diaspora. Bon. Je viens. Voilà. Je viens aussi corriger ça. Oui, j'ajoute encore peut-être une dernière image. Monsieur Bidjanga, nous sommes à la ligne. Pourquoi? Non, si c'est mes images, c'est pas, faut pas te peiner pour ça. Non, c'est pas les images. Ah, ok. Maintenant, il fallait simplement rester avec l'image sur l'ensemble des.
Ça tombe très bien. Tu vas maintenant regarder. Tu vois, j'ai choisi une image. Je l'applique. Tu vois, elle sort en miniature. Hein? Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Je viens sur plus d'options. Je viens dans fond. Je viens dans taille. Je mets taille étendue. OK. Voilà donc, grosso modo, une première page d'accueil que nous avons générée. De ces pages d'accueil, nous aurons d'autres pages. Hein? C'est-à-dire, et là, on n'aura plus à trop charger. On va utiliser les plans, les cellules plans. Celui-ci sera dans la première cellule, hein? L'autre sera dans la deuxième. Tu vois, c'est une plateforme de recensement basique. Pas de, il n'y aura pas. Alors, pour faire les plans, qu'est-ce que je fais? Je choisis ma cellule. Clic droit. Description. Hein? Je mets la cellule content, je préfère, pour ne pas, pour... C'est bon, Ruth? Oui. Maintenant, cellule contenu. Oui, la cellule. Parce que tu as créé une cellule, c'est là où tu as mis ton bandeau, non? Voilà, sélectionne donc la cellule là. Tu vas dans IHM. Tu actives, activer la gestion des plans. Tu vois là, tu l'as déjà fait. Dans IHM, activer la gestion des plans. OK, c'est bon. On active. Ça signifie que si je veux faire mon temps, il n'y a plus rien. Oui. Donc, lui, il est directement au plan 1. Regardez. Il est directement au plan 1. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit, bon, par défaut, c'est le plan 1. On n'a même pas besoin. J'ai dit, point, point, plan 1. Bon, par défaut. Même si on C'est bon ici? Mais... Vous voyez? Accueil du Minirex. Vois, vous allez voir, ça va défiler, je viens. Façade avant du Minirex. Pour les autres, je n'ai pas. Je peux aller rapidement même. Ne vous fiez pas à la qualité des images. C'est pas. Hein? Voilà. Maintenant, on va donc écrire un petit message qui sera sous forme d'actualité. Hein? Donc, rien. Pas encore. Je n'ai encore rien mis. Vous voyez quelque chose là? Hein? Voici ça que je sélectionne. Non. Non. Ce que j'ai fait, même, c'est même un surcharge. Et par défaut, il se positionne au plan 1. Tu vois un peu. Par défaut, donc si vous me j'enlève pour que ça ne t'embrouille pas. J'enlève, n'est-ce pas? Hey. J'enlève. Ça marche toujours, non? J'enlève. Hein? J'actualise. Tu vois, non? Il se positionne par défaut au plan 1. Donc, avec WebDev,
c'est 1, 2, jusqu'à 1. Or, avec Win et Win Mobile, c'est 0, 1. Non, certainement, tu n'as pas personnalisé. Je l'ai fait et je vous ai montré. OK, maintenant, on vient ici, n'est-ce pas? Je surcharge mon champ cellule. On va donc prendre le champ qui depuis un certain temps, nous casse les couilles. Enfin, la tête. C'est ce plan, non? C'est ce zone de texte qui a des trucs bizarres. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes là. Je reçois un coup de fil. Oui, actu. Dans actu, on va quand même laisser ce texte, n'est-ce pas? On va mettre notre lien. Notre lien va aller en bas. Voilà, c'est bon. Oui, oui. Il y a quoi? Il y a un problème? Oui. Oui. J'ai porté un lien, j'ai mis dedans, non? C'est ce qu'on a tenté de faire depuis les salons dérangeants, non? Maintenant, ils sont obligés donc de le faire. Parce qu'on veut garder un certain... C'est-à-dire, vous allez m'excuser, demain je viendrai avec peut-être un petit soir, je vais venir lancer pour aller à Subtic, aller régler un petit bobo là-bas. Alors, je viens ici, n'est-ce pas? J'ai saisi mon texte. Non, Ruth, regarde. Oui, non, Ruth, regarde. Tu es ici, non? Tu n'as pas mis le lien. Non, ouais, Ruth, regarde. Regarde, je reprends. Regarde, je reprends. Je viens ici, n'est-ce pas? Je prends ça, n'est-ce pas? Je colle ici, n'est-ce pas? C'est bon ici. OK. Maintenant, je prends mon lien. Suis-moi pas à pas et tu fais au moins comme moi. Je prends mon lien. C'est bon. Tu as pris le lien. Bon, je vais d'abord arranger le lien là ici. Il y a plusieurs types de tricherie. Je peux d'abord arranger mon lien. Lien, je peux donc... Ça, c'est une autre tricherie. Hein. Je peux arranger le lien. Oh, je viens le mettre. Je n'ai plus rien à faire, n'est-ce pas? Donc, je ressens. Encore. Bon. Par exemple, se recenser. C'est vrai que je vais encore revenir modifier, mais je viens là. Oui, se recenser, oui. En principe, il appelle, je ne veux pas qu'il appelle un code serveur. Il va appeler une page. Non. Aucune action. Interdit de référencer. Non. Je ne veux pas qu'on puisse référencer ça. Infobulle. Je dis se recenser. Pour le compte de votre pays, le Cameroun. C'est bon, Henri. Voilà. Maintenant, couleur rouge, non. On va mettre couleur bleue. On va lui dire, c'est donc ici donc que tout se joue maintenant.
Je fais un ombrage. Bon, ça c'est du blablabla. C'est pas obligatoire. Hein? En survol. En survol, mon texte doit prendre la couleur rouge ou rose. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est quelle couleur? Et il est en gras. Ça, c'est un survol actif, sans problème. On peut lui dire qu'il reste là. Donc, voilà un peu. On enregistre. IHM. Je dis que c'est la main. Alors, tant donc j'ai terminé, je prends donc ça. Je colle mon affaire ici. Hein? Je fais donc clic droit. Quand maintenant je viens faire clic droit, hein? Je viens sur éditer code source HTML. Oui. Auprès de vos pays de résidence respectif. Point. Afin de mieux maîtriser, afin de mieux maîtriser le nombre exact, afin de mieux maîtriser le nombre exact, virgule, le minirex ou oui, corrige. Viens vouloir cliquer ici. Point. Le Minirex vous renouvelle. Vous renouvelle quoi? Bon, j'ai envie de mettre une phrase de fin. Bon, je vais dire pour tout, hein? C'est le lien, maman. J'ai créé le lien, donc j'ai remplacé ce recensé par le lien. Donc, enfin, ce recensé par ici, parce que tu vois un peu, non? Je veux rendre le, t'as dit, le texte doit être parlant. Celui, c'est ça dont l'avantage avec le web. C'est que tu saisis ton texte. Hein? C'est ce qu'on faisait avec HTML, non? Au milieu, là, on mettait les href. Voilà. Donc, pour toutes vos questions, pour toutes vos questions, bien vouloir hein, nous écrire. Bien vouloir nous écrire. Hein, c'est là que je vais encore ajouter un autre lien, c'est-à-dire l'adresse, non? Bien vouloir nous écrire à l'adresse. Non. Le lien. Ah, ok. Je dois prendre comme ça. Je sors carrément du lien. Voilà. Et en principe même, je dois aller à la ligne. On vous a dit que la ligne en HTML, c'est les P, non? Les paragraphes. Ici, là, c'est que il faut d'abord maîtriser
en quelque sorte votre HTML. Hein? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a dit WinDev. Okay. Bon, ce n'est pas grave. Ça a pris en anglais. Ça a traduit par défaut parce que je suis en ligne. Voilà. Voilà. Donc, for all your questions, please send an email to this address. To this email address. Bon, oui. Alors, je reprends un autre lien. Henri. Que je viens coller derrière là. Hein? Bon. Attends. Oh. Voilà. On s'est dit que on va d'abord jouer avec le lien, non? Le lien là va nous appeler une adresse email. Donc, ou comment? Parce que c'est ici, non? Sur le premier lien. Après, on a mis après dans se recenser. Hein? Vous voyez le rendu de notre page. Hmm? Vous voyez une page très simple. Pas de problème. Hein? Tout est déjà là. Maintenant, je sais que quand je vais cliquer ici, c'est pour venir hein, le support. Vous voyez? OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Généralement, pour avoir le même style, je peux gérer tous mes liens or. Je viens les copier. Vous voyez qu'ici, les bleus, non? Quand je passe rouge, hein, vous faites ce qu'on a fait ici. Alors, on a utilisé les plans. C'est ça? Nous avons utilisé les plans. Et ces plans-là vont nous aider beaucoup. Vont beaucoup nous aider. Je passe plan 2. C'est bon, Ruth? Qu'est-ce qui se passe encore? Oui. Où? Ici. Ici. Et dit, et ça. Oui. Ok. Seigneur Marie-Joseph. Ok. Non, ça doit montrer beaucoup de liens. Attends, regarde. Je prends la main de ta machine. Je prends la main de ta machine. C'est ça ici? Non, ça c'est bio. Oui, ça c'est toi. Accepte. Tu as déjà accepté. Voilà. Réduis ça. Réduis. Bon, regarde ce qu'on va faire. Tu vois là. C'est parce que tu as fait beaucoup de choses. Je pensais que tu es synchrone avec nous.
Maintenant, ça se chamboule là. On ne sait pas. Voilà. Vous avez dit que ça, c'est du HTML. Mais ce n'est pas grave. On va recréer. Tu vois qu'il y a toujours quelqu'un. Tu as écrit des liens où tu ne fermes pas. Je vois là, in support. Tu vois maintenant, non? Il y a encore un problème. Voilà. Non, c'est celle quelque chose pour un point plan. Garde 2. C'est pas la page. Oui. Non, mais est-ce que faire les plans, c'est compliqué? Hein? Je vous ai dit les plans, hein? Clic droit, description, regarde. Clic droit, description, activer la gestion de plan, oui, c'est tout. Je n'ai rien à faire là-dedans. OK, on continue. On continue. Là, maintenant... On va faire, dans la prochaine partie, nous allons maintenant attaquer le formulaire. OK.